Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Rebond. En dessous, c'est de ce tour, quoi, s'abonner, activer la cloche, laisser un like et c'est parti. Dans la vidéo qui a précédé cette vidéo, on vous a dit que nous allons essayer de trouver ensemble comment tout, c'est-à-dire essayer de voir comment trouver une bonne femme. Quelles sont les stratégies? Comment trouver une bonne femme? Ah, une bonne femme. Je n'étais pas n'importe quelle femme. Quand je dis une bonne femme là, d'abord nous allons commencer par décrire qu'est-ce que c'est qu'une bonne femme. La femme qui a la crainte de Dieu là, c'est une bonne femme. On ne regarde pas dans les détails. Elle est jolie, elle est vilaine, elle est bien bâtie, elle est comme ça, elle est comme ça, elle s'est préparée. On n'est pas dans les détails. La femme, celle qui a la crainte de Dieu, c'est celle-là même là, qui est une bonne femme. Et elles ne sont pas nombreuses. Où tu vas la trouver? Je te pose la question, dis-moi. Où? Tu vas regarder sur 1000 femmes, peut-être que tu as trouvé une seule. Sur 10, une seule personne, une seule femme. Elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Ah. Combien de femmes ont la crainte de Dieu? Combien de filles aujourd'hui veulent être des bonnes femmes? Tout le monde, toutes les filles veulent être sexy. Toutes les filles veulent attirer le regard de tout le monde. Alors qu'une fille doit attirer le regard d'une seule personne, et c'est qui? C'est son mari. Ah! C'est son mari. Elle ne connaît pas qui est son mari. Elle n'a même pas une idée de cela. Et elle s'habille sexy pour pouvoir attirer le monde entier, tous les hommes de la planète. Croyant pouvoir trouver son mari à l'intérieur. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hey! Voici pourquoi. C'est ce que beaucoup de filles font. Et elles rencontrent des problèmes. Elles rencontrent des difficultés. Tu vois, les voix, elle a un gars, un copain. Elle change, elle dit, c'était pas le bon, je me suis trompé. Elle change. Elle le change. Elle change. Elle ne cherche même pas à avoir la crainte de Dieu. Elle ne cherche pas à avoir la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de filles qui ne cherchent pas à avoir la crainte de Dieu. Dans cette situation, il est difficile pour un homme de trouver une femme. Souvent, même tu es là, tu regardes la télévision et tu dis, moi, mais a fait des femmes là-même. Là. Ça commence même à m'énerver. Moi-même, si c'est un problème, là, tu vois. Moi, je n'ai pas me marier. Il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que non. Il ne faut pas réagir comme ça. Il ne faut pas être découragé. Il y a plein de personnes qui ont connu des déceptions amoureuses et ils sont dans les problèmes. Non. Ne dites pas ça. Comment trouver sa femme maintenant? On a parlé de comment reconnaître une bonne femme. On a dit que c'est celle qui a la crainte de Dieu. Comment reconnaître sa femme? Comment trouver maintenant une bonne femme? Pour trouver une femme là, c'est la chose la plus facile même à faire. C'est facile. Est-ce que c'est difficile? Ouais, quelqu'un m'a dit ouais, c'est difficile. Dans la mesure où elles sont nombreuses, il y a plein de femmes qui ne sont pas bonnes dedans. Mais, hey! Il y a plein de femmes qui ne sont pas bonnes dedans. Hein? Oui, effectivement. Mais, tu penses que toutes les femmes qui sont sur la terre là, elles sont pour toi? C'est pas toutes les femmes qui sont sur la terre qui t'appartiennent? C'est pas tous les hommes sur la terre qui t'appartiennent? Il y a une seule femme pour toi. Une seule femme pour un homme. Un seul homme pour une femme. Et toi, tu dois trouver cette femme-là même. Hey, elles ne sont pas deux. C'est-à-dire, si c'est 7 milliards de personnes-là, toi, tu as une seule femme. Si tu cherches, tu ne cherches pas bien
où tu es mal orienté là, tu risques de trouver sur des mauvaises et tu vas changer de femme, comme les vêtements. C'est pourquoi nous avons forcément besoin d'être orientés. Et qui va nous orienter, s'il vous plaît? C'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui va nous orienter sur ce choix-là. Je vous le dis, c'est là qu'il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Dieu va vous orienter sur le choix de votre femme, afin que vous ne puissiez pas faire des erreurs. Dieu lui-même, il sait qu'aujourd'hui, là, il y a des sirènes qui se déguisent en bonnes femmes. Même elles font semblant d'avoir la crainte de Dieu, oui. Des sirènes, des sorcières même. Elle est sorcière et elle a l'église. Et puis, aujourd'hui, là, ne vous dites plus, hein, s'il vous plaît, ne dites plus, je vais à l'église pour chercher, pour trouver une bonne femme. Les femmes les plus mauvaises, les sorcières même, là, elles sont à l'église, là-bas, elles vous attendent. C'est à l'église que les sorcières, là, que vous cherchez, là, c'est-à-dire à qui vous voulez trouver une bonne femme, là. C'est là-bas que vous attendent. Le diable est assis à l'église aujourd'hui, hein. Le diable, il est assis à l'église aujourd'hui, hein. Il faut que quelqu'un vous dise sa vérité. Il ne faut pas vous dire qu'à l'église, il n'y a que des bonnes femmes. Et puis vous allez arriver là-bas, vous allez trouver sur le diable. Il a dit que non, il nous a menti. Non, on ne vous a pas menti. On va vous dire la vérité et rien que la vérité. C'est ce pourquoi nous sommes là. Et même quand nous sommes en erreur, on se répand. C'est pourquoi Jésus-Christ a payé de son sang pour nous. Il faut se repentir. Il faut reconnaître ses erreurs, il faut reconnaître son péché. C'est très important dans la vie. Si vous voulez avancer dans la vie, là, apprenez à reconnaître vos erreurs. C'est très important. Donc, pour trouver une femme, il faut tout simplement rentrer en contact avec un prophète de Dieu. Et ce prophète de Dieu-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Il y a un homme, je vais vous expliquer. Il y a un homme. Il alla à l'église. Et quand il est arrivé à l'église, il a été attiré par une femme dans la chorale, une fille. Il a essayé de voir comment elle est. Il voit que cette fille chante bien. Et il s'est laissé séduire par cette fille. Mais il ne connaissait pas la vie de cette fille. Est-ce qu'il connaissait l'état d'âme même de cette fille? Non. Il a approché cette fille pour dire, franchement, tu me plais bien. Est-ce que j'aimerais être avec toi? Est-ce que tu acceptes? Elle n'a même pas hésité même. Elle a accepté sur le champ. Lui-même, là, ça ne l'a même pas interpellé. Quand vous allez chez une fille, vous allez voir une fille, et du premier coup, vous lui dites que vous voulez être avec elle, et puis elle accepte là. Ah, mon ami, mes frères et sœurs, il y a danger. Une vraie femme, là, n'accepte pas facilement comme ça. Tu viens vers elle, en même temps, tu dis, elle accepte. Bonjour. Bonjour. Tu habites où? J'habite derrière là-bas. Là. Quel est ton nom? Cette fille-là a accepté de commencer à marcher avec ce jeune pour aller dans le domaine des fiançailles. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, ce jeune-là, comme il prie beaucoup et Dieu lui parle beaucoup en songe, là, dans son sommeil, voici que Dieu va lui montrer l'état d'âme de cette fille-là. Il s'endort et voici ce que Dieu va lui montrer. Dieu va lui montrer que ce jeune, cette femme-là, Dieu va lui montrer une image où cette femme en question-là, excusez-moi, attendez pour le bruit va passer. Voilà, un peu de bruit, ça va passer, ça va tarder. Un peu de temps. Abonnez-vous, commencez à liker, laissez les likes. Là maintenant, laissez les likes, abonnez-vous, petit abonné. Jusqu'à ce que ça finisse, ok, c'est parce que voilà, c'est parce que. Hey! Et ce jeune-là, Dieu lui a montré l'état d'âme de cette fille en songe. En songe, voici comment il a vu cette fille. Il a vu cette fille-là, elle était adossée comme ça sur un autre homme. Et vous et voici ce que Dieu va lui dire. Dieu va lui dire, tu as appelé à de haute gloire. La fille que tu aimes là, tu veux, avec qui tu veux te fiancer là. Voici ce qu'elle fait. Elle a un autre homme dans sa vie. Elle ne veut pas te dire.
Elle te dit que c'est son ex, c'est du passé, c'est faux. Ils sont ensemble, ils vivent même ensemble, ils entretiennent des rapports sexuels même ensemble. Mes frères et sœurs, Dieu lui a révélé l'état d'âme de cette fille. La fille avec qui il allait se fiancer là, à l'église là. À l'église. Là on dit on cherche Dieu là. C'est là-bas même le diable était assis comme ça. Et le diable l'attendait. Ça veut dire que cette fille-là, elle est à l'église, elle est dans la chorale, elle chante même, mais elle a une double vie. Et elle sort avec, elle couche avec les hommes comme ça. Elle couche avec les hommes. En désordre. Celui qui vient là, elle accepte. C'est comme c'est une femme comme ça, comment on l'appelle? Une prostituée? Comment tu veux qu'on t'appelle? C'est une prostituée, c'est la prostitution que tu fais. Et Dieu merci, cet homme a eu le discernement. Et dès qu'il a reçu ce songe-là, il a commencé à changer de chemin. À changer de chemin. Et à abandonner même ce projet même de fiançailles. Il a obéi à Dieu. Un mois plus tard. Un mois plus tard. Lui, il n'a jamais vu le jeune à vis-à-vis. Hein. Un mois plus tard. Voici qu'il sera en train de marcher et il va voir le jeune et la fille en train de marcher vis-à-vis. Il dit, il va taper sa bouche. Parce que Dieu lui a montré ce jeune-là, sans erreur. Demain, Dieu lui a montré ce jeune-là dans son sommeil-là. Demain, il a vu ce jeune-là dans son songe. C'est exactement de la même façon il est. Et de la manière les deux se sont attrapés les mains. Là. C'est la même manière. Dieu ne ment pas. Tu es juste. Il ne ment pas. Il est là pour nous guider. Si vous avez besoin de choisir une femme là, confiez vos projets à Dieu. Confiez tout simplement ce projet là au Seigneur. Dieu lui-même va vous dire que telle ou telle femme c'est la bonne. Telle ou telle femme c'est la bonne. Et ce jeune là, depuis ce jour là, il a décidé de confier à Dieu. Dès qu'il rencontre une fille, qu'elle a quelqu'un dans sa vie où elle représente un problème, Dieu lui dit directement que celle-là elle a un problème. C'est comme ça, vous devez marcher. Jusqu'à ce que vous trouvez la bonne. Quand vous allez trouver la bonne là, Dieu lui-même va venir vous montrer encore un autre songe où il vous dira clairement que cette fille-là, vous pouvez avancer avec elle. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va vous montrer un songe où dans le songe là, toi qui me regardes, vous et elle, vous allez vous serrer les coudes dans les difficultés pour avancer. C'est comme ça que Dieu va vous montrer. Si vous avez réussi tous les deux à surmonter toutes les difficultés que vous allez rencontrer, c'est que la fille que tu veux aborder là, c'est la bonne. C'est la bonne. Et tu vas voir que même s'il y aura des difficultés au départ, avant qu'elle ne te dise, lui elle va accepter là. Mais vers la fin, tu vas comprendre que c'est la bonne. Parce que après le mariage, tu sauras quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer. Tu verras le signe que Dieu t'a montré là, s'accomplir. Et une femme pareille là, une fois que tu as des enfants avec elle là, tu peux dormir tranquille. Tu vas en mission. Elle est tranquille à la maison, tranquille. Tu peux dormir tranquille. Parce que c'est celle-là même que Dieu t'a donnée. Et elle ne peut trouver que le bonheur qu'en toi. Elle ne peut qu'être heureuse. Se sentir une femme. Comme toi, parce que tu es son mari, tout simplement. C'est facile. C'est comme ça Dieu unit les vraies personnes. Vous allez voir que vous allez durer ensemble comme ça. Vous allez faire 10 ans de mariage. Et ce sont de telles personnes-là qu'on utilise, on utilise dans l'église pour être des conseillers pour les gens mariés, les personnes mariées. Et ils grandissent. Vous allez là-bas. Il faut grandir dans le foyer. Moi, Dieu m'a fait la grâce de voir rencontrer un tel couple. Et ce couple-là était vraiment, vraiment très, très bon de chez bon. Et ce couple était vraiment bien. Les deux même donnaient de vrais conseils. Je les ai écoutés. Ils m'ont expliqué leurs secrets. Ils m'ont donné beaucoup de détails. Beaucoup de révélations sur comment gérer le foyer, toutes ces choses. Si vous voulez, je vous révèle tous ces éléments à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et les bâtons, surtout pas à la prochaine vidéo. Premier élément que vous devez retenir dans ce soir, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui sont bonnes. Deuxième élément, vous devez exposer ce problème de choisir sa femme là, à Dieu.
troisième élément, dès que Dieu vous révèle en songe l'état d'âme de votre femme et vous met dans une situation de difficulté avec elle et qu'elle réussit à cette mission, c'est que c'est la bonne. C'est la bonne. Il faut que en esprit, spirituellement parlant, ça soit parfait, avec que physiquement ça soit parfait. Dieu montre l'état d'âme de chacun en songe. Qui est cette personne? Est-ce que tu vas avancer avec cette personne? Et vous allez foncer avec cette personne. Et si physiquement vous voyez des choses contraires, si vous voyez que la fille vous rejette à chaque fois que vous venez vers elle, elle vous dit non, 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 non. Insistez. Quelles que soient les difficultés là, elle va venir par accepter un jour. Parce que c'est Dieu lui-même qui va créer l'union. Dieu va faire les choses. Quelles que soient les difficultés de votre vie, n'abandonnez jamais, foncez. Surtout, confiez vos projets à Dieu. Confiez-vous à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. À bientôt sur Nyanx Reborn pour la prochaine vidéo. Nous vous rappelons qu'il y a Nyanx Reborn 2 également qui existe, notre deuxième chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez également vous abonner et retrouver des vidéos extraordinaires. Soyez prêts pour les prochaines vidéos qui vont sans doute vous étonner. À bientôt. Nyanx Reborn.